Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sous News Daily. En fait, et causer insécurité dans le pays d'Haïti et ben non, ça nous aide non là. Plusieurs personnes est obligé justement à prendre refuge et dans Saint-Louis de Gonzague. Et c'est près de 315 personnes gain adultes là-dedans. Nous connaît et présentement et pas gain l'école, bon, c'est en vacances, OK? Donc espace ça, il occupé bien entendu par l'obligé Bali, les ouvriers et gain des communes de coordinateurs de organisations religieuses cap ouais ça est capable faire pour famille ça. Nous parlons de 315 timoun qui prend refuge et donc bien entendu nous compte pour ça c'est violence entre des groupes armés qui portaient que monde ça est dépaysé remettre zone là. Et donc l'école ça a qui et je dis a transformé en dortoir côté que teenagers ça ti moun ça yo a dormi et gen qui joine mat là mais gen tout côté yo venn yo fait le tout OK yo, si floor là et la gen sans mat là yo dormi et donc en pile dans ti moun ça yo et yo vini avec parents yo et gain qui campé en ligne a temps pour venir information sur gain tout cap capturer information sur maman papa puisque gain yo prend conseil par contre maman yo écoute papa yo yé et yo apporté gain là-dedans au gang yo empêcher yo quitter cité soleil et mon yo cap expliquer que yo besoin aide par exemple gain youn qui c'est Jean-Michel qui gain 16 ans et qui était blessé il dit gang yo et bataille gang ça fait en pile là-dedans aux victimes lui-même qu'a expliqué il était là c'est là qu'a li jour ça jour guerre a commencé en pile balle pété et puis il y a un boulette qui tra pété d'ocaille là et puis qu'il faut appeler la tête bah, tête chargée et il court l'hôpital à Velle justement pour être capable de bal traitement en pile monde mouri il a expliqué une situation qui et des jours en jour a vinn pi mal les personnes moun pa wè ki les bagay ça a pran fin et donc et causé et laissé frapper en gang ces derniers jours divini et monnaie courante donc une situation qui assez difficile et fondou groupe religieux KPD dit pas même gassé manger y a demandé aide et situation qui vraiment difficile il y a besoin de manger pour capable et nourrir ti moun sa yo et yo expliqué que en pile ti moun sa yo mette uniforme sou yo pour convaincre gang yo comme quoi que c'est l'école yo pour aller que son façon pour être capable chaper jeune dou là en pile là ou venir pour compte yo puisque parents yo pas ka sauver bataille en Genève avec GPEP qui est pratiquement éclaté depuis 7 juillet. Depuis 7 juillet et vendredi a yo parlé de 300 moun qui mouri et 21 qui yo boulé. 21 qui yo boulé et 16 que y a cherché qui yo pa wè. Gang yo j'en connais yo boulé kay et yo démoli kay 125 kay crasé. Situation vraiment est vini et catastrophique li en fait nous pas parler de un véritable désastre OK nous pas parler de un véritable désastre et kidnapping non même et bilan yo parler de presque 540 monde qui t'a kidnappé 780 mouri de janvier à mai donc ou ka comprendre ça ça veut dire et pendant on parle avec ou là n'a pas la voix dans dimanche et pas bon jour passé non nous ca cité pour quoi des bouquets et yo entré dans l'église yo touyé un inspecteur de police en dans l'église et Oscar Joseph c'est un cadre du ministère de l'éducation nationale yo enlevé à Pernier. OK. Tout ça est dimanche. Gen et pasteur Élisée Dagobert. Yo kidnappé
a Pernier encore, Pernier a même pas joué. Pernier a pas joué. Il y a un conteneur qui a des médicaments, matériaux de construction, il a détourné lui dans la zone la salle, dans zone la salle, OK? Au niveau du bicentenaire non loin de APN. Conteneur a plein de médicaments et d'autres matériaux destinés pour institution hospitalière pour l'hôpital. Centre hospitalier non qui gagne 300 lits et donc il pas précisé valeur et médicaments qui perdu. Donc c'est dire nous bon tout 100 dollars c'est simplement pour hier dimanche là pour qu'à comprendre qui gens que ça nous les vols, pillages et kidnapping justement c'est et en fait gon une ambulance tout yo détourné. OK. Une ambulance et dans zone Croix des Bouquets. Donc nèg yo a frappé sérieusement. Nèg yo a marqué présence yo sous terrain. Son façon pour rappeler nous que yo la plus belle. Et bon, et dans zone province, yo parlé nous que PNH qui fait un coup de filet dans Saint-Michel de la Talaye. Bon, gen des gangs que yo ta qui ta en cause kidnapping. Que yo ta met la patte sou yo. Et gen un certain Wilson Blantou qui sont membres du gang Vite l'homme. Wilson Blanc que yo arrêté à Torcel. OK? Une opération que la police a menée de concert avec SWAT. Donc Wilson Blanc et yo et justement mettez la patte sou li. Que vous connaissez, qui est Gonti, le Gonti, sinon qui est le Tizo. Vous avez deux fusils, deux véhicules, dont un pick-up Toyota, et deux gilets par balle, munitions, scie électrique, téléphone portable, vous confisquez. Et donc, voilà. Donc, c'est pas ça, vous dites qui ça. Nous parlons de Timonio qui a quitté la caillou et pour gang. Capturer, mais on remarque que ça va vous dire hein, dans le sens que si tu as pensé ça est sécurité à, c'est insécurité à ça, c'est beaucoup fini. C'est que effectivement chaque jour il y a kidnappé, il y a saisi, il y a volé. C'est sa situation et donc voilà, on te voulait partager là avec vous. Bye bye tout le monde.